Le grand journal de Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, rencontre d'information ce matin au Parlement entre la commission consultative présidentielle travaillant sur les recommandations d'une sortie de crise et des sénateurs. Les échanges ont porté notamment sur la conjoncture politique actuelle ainsi que l'avenir du pays après le deuxième lundi de janvier 2015. L'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince optimiste qu'il existe une voie pour avancer dans la résolution de la crise politique haïtienne. Une lueur d'espoir découlant des résultats de sa rencontre mardi avec les 9 représentants de la branche radicale de l'opposition. À suivre également un blessé à l'arme blanche et 3 arrestations, bilan d'une nouvelle journée de manifestation ce mercredi à Petit-Gouave pour exiger le départ de l'équipe au pouvoir et la nomination d'un nouveau cartel à la tête de la mairie de la ville. Évasion à la prison civile de Saint-Marc le week-end dernier. 4 évadés ont été appréhendés. Les 6 plus dangereux sont activement recherchés. 5 des 12 agents pénitentiaires qui assuraient la garde sont placés en garde à vue et 6 autres en isolement, informe la police nationale d'Haïti. Dans l'actualité également, plusieurs dizaines d'amants des dreadlocks dans les rues de la capitale ce mercredi afin d'exiger justice et réparation pour leurs camarades rasés malgré eux par des policiers haïtiens non identifiés. Et puis enfin, investiture par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle des 25 membres de la Commission nationale de la réforme curriculaire ce mercredi, en présence notamment du Premier ministre haïtien. Le développement de ce titre dans un instant. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable ! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Bon lecture avec bonne information, c'est ça qui va aider des pays ou avec éducation petit ou. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, tout le monde a t'il gagné. C'est Wanito, une beauté nouvelle à mes amis, faut qu'il gagne. C'est les sacs qui bon, c'est la dinde qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la guerre qui bon qualité. Dans chaque département, bien distribué, autorisé. Original, la soudole, grand hologramme bien éclairé. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, tout le monde a t'il gagné. Parents yo, si nous devons payer une vente, c'est pour petit, nous avons bon demain. Bien gardé, oui, pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, un hologramme sous les caps changé couleur. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés,
vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Merci de votre fidélité, le développement du journal. Comme annoncé en titre, l'ambassadeur des États-Unis se dit optimiste qu'il existe une voie pour avancer dans la résolution de la crise politique haïtienne. Pamela White s'est exprimée à travers une note publiée ce mercredi suite à sa rencontre mardi avec des représentants des principaux partis de l'opposition au siège de la fusion CISA Chris Roy à Port-au-Prince. La diplomate américaine, dans la note, a remercié les 9 représentants de l'opposition qui ont pris part à la rencontre qui a duré plus d'une heure d'horloge. L'ambassadeur White s'est dit extrêmement impressionné par leur analyse de la situation politique actuelle, leur dévouement pour le futur d'Haïti et leur réelle volonté de négocier pour le bien-être de leur pays. Madame White dit tenir d'autres rencontres avec un large éventail d'organisations politiques et a continué à apporter le ferme soutien des États-Unis pour une solution haïtienne aux nombreux problèmes politiques actuels. Et il faut souligner que le gouvernement a condamné énergiquement ce mercredi les tentatives d'agression et les menaces proférées à l'endroit de l'ambassadeur des États-Unis en Haïti au terme de sa rencontre avec des représentants de l'opposition hier mardi. Ces actes répréhensibles constituent une violation flagrante des conventions internationales qui lient Haïti et ses amis, explique une note de la primature. Tout en rappelant que Pamela White est une grande amie d'Haïti qui a toujours manifesté sa volonté et contribué à la stabilité politique dans le pays, le gouvernement a présenté au nom du peuple haïtien des excuses à l'ambassade des États-Unis. Rencontre ce matin au Parlement entre la commission consultative présidentielle et le président du Sénat, Simon Diosel-Dera. Les échanges ont porté notamment sur la conjoncture politique actuelle ainsi que l'avenir du pays après le deuxième lundi de janvier 2015. Le sénateur Dera rapporte avoir exposé aux membres de la commission sa lecture de la conjoncture politique actuelle en Haïti. En guise de recommandation à la commission consultative, Simon Diosel-Dera a réitéré l'adresse faite le 17 novembre dernier dans laquelle il avait informé que le Parlement est une institution républicaine incontournable et que son dysfonctionnement entraînerait l'effondrement des 3 pouvoirs constitués de l'État. Le parlementaire encourage la Commission à rencontrer tous les acteurs impliqués dans la crise et à tenir compte de leurs propositions. Il dit espérer que le président Martelly respectera les recommandations de cette Commission. Le sénateur Simon Diosel-Dera au micro de Dukenson Lazare et Yvon Seyid. Nous avons gagné, je veux dire, pour la commission de visiter nous, c'est une visite de courtoisie. Et comme c'est une commission consultative qui a fait des consultations pour informer des situations ou bien pour implémenter ça, on a déjà. Et on va la dérouler sous circonstances nationales. Et dans les circonstances nationales, nous disons bienvenue et puis nous exposons aux situations, je nous même nous comprendre, je nous lire, je nous vivre. Situation qui est là aujourd'hui, hein? Et nous avons élaboré tout autour de crise qui existait et crise qui a venu. Et c'est autour de ça que nous parlons. La recommandation, c'est que nous-mêmes, nous sommes seulement retournés sur la position que nous avons le 17 novembre. Nous avons dit que le Sénat est infrangible dans son essence. Le Sénat est invulnérable dans son existence constitutionnelle. Et nous espérons que la sagesse va inspirer Mounzaïo. Il va mettre à l'écoute de tout le monde, ramasser, font belle ramasser, et puis pour les gens qui ont fait recommandation, ils ont une recommandation qui est acceptable et potable, et l'exécutif en lui-même, président spécialement, qui va aux missions, ça a tenu compte des recommandations, parce que figure ça qui là. Et il va pas de pour là, non, on soit disant commission présidentielle qui n'a pas produit rien, il faut que la commission ça l'aboutit à un bagage. Cette réunion fait suite à la décision des 11 membres de la commission consultative présidentielle d'entamer une série de rencontres d'information avec plusieurs protagonistes de la crise politique, informé Vance Paul, membre de la dite commission.
Evans Paul se garde de faire des déclarations avant que le rapport de la commission soit rendu public. Question, dit-il, d'éviter toute forme de mésinterprétation susceptible de déranger l'ordre des choses. De son côté, Jean-Gabriel Fortuné rappelle que la mission de la commission consultative est d'identifier la solution la plus crédible pour résoudre la crise préélectorale, précisant que la commission n'entend nullement poursuivre les consultations déjà entamées par le président, ajoutant qu'il s'agit d'une commission de libération. Écoutons tour à tour Evans Paul et Gabriel Fortuné qui s'exprimaient à l'issue de cette rencontre au micro de Duke Ensole Nazar et Yvon Seyit. Une décision au niveau de la commission pour nous faire certaines rencontres d'information, pas consultation, parce que le président fait consultation déjà, et les nous parler pour nous sortir rapport, on n'a pas la clé presse. Mais pour qu'on y ait, nous réserver nous d'éviter de déclarations qui sont capables de déranger si on a mal interprété. Mission nous, comme l'a dit l'arrêté, c'est prendre la solution la plus crédible aux yeux de la nation. Est-ce que c'est une nouvelle consultation? C'est à l'initiative de la commission. Non, ce n'est pas une nouvelle consultation, mais écoutez, nous ne sommes pas capables de parler que le rapport s'en va au Sénat de la République, s'en va à la Chambre des députés. Il faut faire des recommandations claires. Mais évidemment. C'est à l'initiative de la commission. Non, pas capable de dire ça. Moi, comment je vais dans la commission? Bon, les mitigés, il y a des gens qui disent ça, m'a fait là. Il y a des gens qui disent, bon, là, vous me veillez. Moi-même, je travaille pour le pays, là, je travaille pour la nation, hein, et je fais tout ce qui est possible pour la passer. Vous êtes normal. Et c'est là vous avez des préoccupations, ma groupe 5 heures quand même, est-ce que nous comptons que tout le monde, nous là pour que nous ayons des choses qui sortent pour le pays libéré parce que c'est un pays qui est. Déjà, donc, la commission travaille avec les commissions pour consulter. Oui, tout à fait, c'est normal. Il faut que nous ayons des choses. Est-ce que le président de la République a pris en compte les recommandations pour faire? Est-ce que nous sommes clairs avec lui sur ça? Non, c'est le président pour qu'on ait que. Et qui ça va le faire avec les recommandations que certainement nous allons donc, faire. Donc, vous admettez que la solution pas vous qu'il arrive face contre les pas solution, ça, c'est une solution de libération. Parlons politique toujours. Le Sénat de la République part en retraite ce mercredi sur la côte des Arcadins jusqu'au 5 décembre prochain, informe le président du Grand Corps. Par cette initiative, les pairs conscrits entendent durant ces trois jours réfléchir sur plusieurs points concernant la conjoncture sociopolitique du pays, notamment l'après 12 janvier 2015 pour le Parlement haïtien. Cette retraite donnera lieu à une prise de position institutionnelle par rapport à la crise politique actuelle, fait savoir le sénateur Simon Dieusol Dera. On l'écoute. Moi, je pense que là, nous, dans la retraite, nous avons un environnement de fraternité qui est capable de permettre que chaque sénateur soit capable d'exprimer une accorde. Et l'environnement, ça va permettre tout, échanger au fait plus bien. Et certainement, on aboutit à une prise de position par rapport à la crise-là. Et position, parlons position institutionnelle. Et vous dites, mais comment nous est-ce qu'il y a ce moment? Mais côté nous y est, mais côté nous taillons, mais côté nous y est, mais qui côté nous prêt à aller nous-mêmes. Donc, je pense que c'est ça qui est capable, essence et retraite ça, pour nous discuter autour de crise politique pays et autour de l'avenir parlement. Tous les sénateurs ont répondu présent. Et certainement, nous devons avoir une 20 qui répondent présents. En même temps, même si tous les sénateurs ont participé dans la retraite, parce que nous avons un roulement, nous avons 7000 ou le 6, nous avons des mauvais égards dans nous. S'il passe la carité, ou bien nous avons passé 10 ou 7000 ou. Et nous avons d'autres sénateurs, donc Lucas Saint-Ville et Mélius, qui ont sénateur Mélius, qui ont fait Moïse Saint-Nicolas le 6. Nous avons quitté depuis le 5 le matin. Mais ça qui est clair, c'est que tout a participé. Qui est dans votre jour? Qui est dans votre jour? Il est là votre après-midi, on a quitté le 5. Le président Martelly fait montre de grande sagesse en créant la commission consultative présidentielle chargée d'identifier la solution la plus crédible pour résoudre la crise préélectorale et faire des recommandations appropriées au chef de l'État. C'est l'avis du responsable du parti Ensemble Nous Forts, Josulis, qui n'émet aucun doute quant à la crédibilité et à la capacité des membres de la dite commission, exhorte cependant ces derniers à se démarquer de tout sentiment de dilatoire afin de fournir un travail qui tient compte des intérêts de la population haïtienne. Le président du parti Ensemble Nous Forts, Josulis, au micro de Ludmilla Marc et Yvon Seyit. Il a dit que sous commission, nous venons son décision de sagesse président. Décision de sagesse en ce sens que il fait appel à des gens
qu'on le veut ou non, qui ont une certaine notoriété dans le pays. Et si on prend décision, on prend dans le sens d'intégration, nous certains qui ont sorti pour aider nous avancer dans la crise-là. Nous souhaitons que ce n'est pas des gens qui permettent que nous dilatons en plus, parce que nous n'avons pas de temps pour dilatons encore. Nous pensons que ça cap sortir, si le président était cohérent, conséquent dans sa tête déjà, d'ici fin décembre, nous avons dit pour sortir clair pour tout le monde qui connaît comment on a prévu le 12 janvier. Puis, la préoccupation, nous, c'est que ta le président du GPI n'a pas décret. Et ça, en dehors de toute norme démocratique, qui a mené nous dans n'importe qui, ça ne pas souhaiter. C'est pour ça que nous suggérons que tu as exploré la possibilité pour ta Kembe parlementaire. Si tu as Kembe parlementaire, il est obligatoire que tu as tout mis au agenda qui est clair pour que tu connaisses une bonne période de janvier à avril, mais qui ça va pour ta régler. Que tu as voté loi électorale là, passer mais la donne, modifier, faire tout ça, faire la donne, mais votons loi électorale, qui pour tout définir un cadre pour l'élection. Hein, et en même temps, tout aider, ouais, comment va passer maintenant CEPA et redéfinir encore. Nous l'avions annoncé en titre, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a investi ce mercredi à Pétionville les 25 membres de la Commission nationale de la réforme curriculaire. La cérémonie s'est déroulée en présence notamment du Premier ministre Laurent Salvador Lamotte. Cette structure regroupe diverses personnalités très connues du milieu éducatif haïtien, dont des anciens ministres de l'Éducation nationale. Elle sera chargée, explique Nesmi Maniga, de travailler sur 5 grands axes, dont la définition des grandes orientations politiques de l'État haïtien en matière d'éducation. Un extrait des propos de Nesmi Maniga au micro de Esaü César et de Wendy Henry. Pays. Nous sommes capables de compter toujours sur les Haïtiens, leur cause nationale qui est importante. Et nous sommes capables de faire gros combat pour nous capables de rassembler tous les Haïtiens autour de leur intérêt commun. L'éducation, heureusement, au-delà de tous les clivages politiques, sociaux et autres, rassemble encore aujourd'hui. Et ça nous permet d'espérer. Parce que Jean, toujours qu'on a dit dans pile déclaration, pour éduquer un enfant, il faut tout un village. Et je vous dis en comptant, ouais, pratiquement, c'est tout village à Chitala, parce que tout le monde qui fait partie de la commission, pas nécessairement la même tendance politique, pas quoi nécessairement dans la même vision. De qui j'ai un pays qui est capable de marcher, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que même l'un ne doit pas d'accord, mais l'éducation rassemble et m'a profité, remercier publiquement le président de la République avec le Premier ministre, qui, à aucun moment, n'a pas défouré Bouchot pour dire ministre qui est-ce que vous choisissez ou qui est-ce que vous pas choisi dans la commission. Ça. Et c'est ça qui fait que toute représentation de toute société civile, là, qui l'ajoutent avec accord, parce que c'est eux-mêmes qui baillent mandat, chercher toute qualité de monde que nous n'avons pas dit par eux, que nous n'avons pas dit par eux, pour capable de travailler, pour faire cause d'éducation au marché. Le Premier ministre qui assistait à la cérémonie d'investiture de la Commission nationale sur la réforme curriculaire a salué la présence de personnalités respectueuses et honnêtes au sein de ce groupe. Laurent Salvador Lamotte dit miser sur la capacité et la potentialité des membres de cette commission pour redresser notre système éducatif. Laurent Salvador Lamotte au micro de Esaü César et de Wendy Henry. Je voudrais saluer tous les commissaires qui font partie de cette commission pour leur engagement et pour le travail qu'ils auront à accomplir, qui ne sera pas un travail facile. Mais nous comptons sur vous pour la réussite. De cette commission. La tâche est de taille, dans la mesure où les membres de cette commission devront se projeter sur le monde tel qu'il sera dans 15 ans et au-delà. Cette projection exige qu'à travers le curriculum, nos enfants puissent valider des compétences pour des métiers qui n'existent peut-être pas encore aujourd'hui. Surtout, ces compétences
doit bien servir à gérer l'héritage que nous leur léguons. Notre cher Haïti, et qu'ils auront à faire fructifier. Le curriculum est un processus appelé à durer, la réforme de ce curriculum. C'est un curriculum adapté aux besoins du jour et aux besoins de demain. Nous devons nous atteler à un travail sans relâche pour l'améliorer. Cette commission, dans sa composition, marque un effort de représentativité et a pour mission essentielle de s'assurer que les connaissances communiquées à nos enfants sont celles qui nous rendront fiers de l'haïtien de 2030. Parallèlement à cette cérémonie d'installation, un sit-in s'est tenu ce mercredi devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale à l'initiative du réseau des enseignants et enseignantes haïtiens RE. L'objectif vise à dénoncer le non-respect des engagements pris par le ministre de l'Éducation envers les syndicats d'enseignants, notamment le dossier de la nomination de certains enseignants et le respect de la grille salariale fixant à 50 000 gourdes le salaire de base des enseignants. Les protestataires estiment que le ministre Maniga a échoué à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Suivez l'ambiance qui régnait ce matin à la rue Jean-Paul II devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale. Il y a raison, c'est justement, et dans le cadre de sit-in, nous avons signé un protocole d'accord à ministre Nesmi Maniga le 13 mai 2014. Nous rendons compte que le ministre n'a pas respecté un point dans le cadre. Et à quoi ça? C'est ça que fait nous là. Et un ensemble de mesures que le ministre a pris, ce sont des mesures qui ne peuvent pas mener le système dans nul, pas qu'à craser l'école. Par exemple, et les lycées, le ministre prend une décision que, côté qu'il bloque contre tout lycée. Je dis, c'est avec un pile de difficulté le lycée à organiser l'examen. Nous rendons compte que le ministre Nesmi Maniga prend nous dans un piège. Piège de là, et nous avons dit perception. Ça veut dire que ça l'a dit à vrai dans la réalité, ce n'est pas un rien de vrai, pas un rien de concret là-dedans. Vous imaginez aujourd'hui, depuis 13 mai, nous signons un accord qui a un ensemble de points là-dedans. Parmi eux, nous sommes capables de dire nomination tout enseignant qui est qualifié, qui est en salle de classe, et tout enseignant même que l'école qui a formé enseignant a déversé. Aujourd'hui, nous avons même demandé ça, combien enseignants qui en salle de classe qui qualifié qu'il nommé l'a payé tout arriéré salaire intégralité yo journée jodia nous rendons compte que le ministre là c'est sous bluff li campé. Solution concrète c'est agir sous terrain pour gagner des bagages concrets, à savoir nomination et CFFien fiayo étudiant et on t'a dit professeur qui compétent qui dans salle de classe. Alors nous pas défendre monde qui pas qualifié qui dans salle de classe, mais de toute façon si on dans salle de classe pendant un certain nombre de temps, yo supposé payer et si yo pas ka continuer avec eux pour eux même pour dire yo pas ka continuer ensemble avec eux. Yo capable faire formation. Jean y a dit que y a faire formation, faudrait-il que yo mette des structures permanentes pour faire formation. Notons que ce mouvement de protestation intervient un jour après que le ministre Nesmi Maniga ait répondu à l'invitation de la commission éducation du Sénat de la République autour des griefs des syndicats d'enseignants et des inquiétudes de la population par rapport au PSUGO, ainsi que le dossier des inspecteurs des IFACAP. Le titulaire du MEF avait rassuré les parlementaires membres de la dite commission sur ces dossiers. Le sénateur Lucas Saint-Ville, président de la commission éducation du Grand Corps, s'était dit satisfait des échanges. À présent, la suite du journal, dans un instant. Sous tête mon nou yo, ak tè nou ki pi riche nan peyi d'Haïti, n'ap vwenn yo kafe ki gen nanm, se Rebol Siyen. Soti nan Grand Dans pou rive nan Grand Nord, passe pa plateau central, atèri nan Montay Belansyo. Ak tout lot zon ki prodwi kafe nan peyi a, nou mette bon zouti, bon struktu e sutou konesans ak konfians nan lide pou nou jwen pi bon rezultat. Se depi nan keyi gren kafe a, pase nan tritman, ke nou mette bon jan kontrol pou nou ka jwen pi bon kalite. Nou servi ak apare modern nan seche, separe epi triye kafe a.
42 récoltes de café nous gagnent sous tête nous là. Ben nous on pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous bailler plus bon service chaque jour, puis plus exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, rivé dans les plus bon dans chaque paquet, dans chaque tasse, rebo porter pour vous plus bon coup café pays d'Haïti. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante, Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Ça n'a pas été en bas du trou. Mais c'est ça où, monsieur? Ça a été en arrière, boss. On va au test. Attention derrière, pas vraiment. Merci de votre fidélité. La suite du journal. Comme annoncé en titre, une personne a été blessée à l'arme blanche et trois individus ont été interpellés par la police nationale lors de la première journée de manifestation ce mercredi d'une série de trois que le Front mixte pour la libération organise cette semaine à Petit-Gouave dans le département de l'Ouest, toujours dans l'objectif d'exiger le départ de l'administration Martelly-Lamotte et la nomination d'un nouveau cartel à la tête de la mairie de la cité de Fourstin-sous-Loucre. Détail avec Wilson Saint-Just, correspondant permanent de Radio-Télésignal à Petit-Gouave. Première journée manifestation contre pouvoir en place là, Fomix de Libération était organisé dans Petit-Gouave, matin mercredi 3 décembre 2014 là, fini exactement devant sous-commissariat Petit-Gouave, en bas en pile gaz lacrymogène la police, suite après, moun qui t'a participé dans Manifa, a placé en pile coutouche avec bouteille sous force de l'audio qui ont même été présents sous tout parcours manifestation pour sécuriser. Yon a organisateur manifestation, Nosalito Soliman, qui se porte-parole front, déclaré et a continué investir des temps, mais un seul objectif pour demander deux pas, gouvernement Martelly la motte là. Demander deux pas. Oui, c'est Martelly parce que nous, juste après, ça va être pas une question de faire dans la ville. Je vais jamais venir nommer au cartel mairie. C'est parce que la corruption qui a fait le petit Guave, lui, au niveau central, il parle d'esprit parce que je suis après. Le président de la ministre qui a annoncé qu'il n'a pas été courant 24 sur 24, petit Guave, le courant, pour aller à l'oral. Son série de l'opardé à l'oral qui était là, c'est que le papa est satisfait. Nous n'avons pas accepté les mêmes témoignages que le président Martelly, lui, il n'y a pas d'écrit. Et nous avons des informations pour voir la sortie des traits pour officialiser l'homosexuel dans le pays. Et que nous croyons, les mêmes témoignages sont pour aller passer par le gain, ça n'a pas pour traiter. Il y a un individu qui t'a battu tambour en dedans manifestation, qui t'a le prendre sous cabane l'hôpital entre dans Petit Guave, suite après. Il était blessé dans ventre à coup de couteau. Pendant la police sous Bopal, t'es arrêté. Trois jeunes garçons qui t'a participé dans manif là, mais qui t'est relâché après.
Wilson Saint-Just, Petit Gouave, Signal FM. C'était annoncé en titre à l'initiative de International Dread. Des dizaines de personnes adoptant des dreadlocks comme style de coiffure ont manifesté ce mercredi à Port-au-Prince en vue d'exiger justice et réparation pour leurs camarades rasés malgré eux, disent-ils par des policiers haïtiens non identifiés. La manif a démarré devant les locaux de l'École nationale des arts pour se diriger devant le Parlement haïtien au bicentenaire avant de rebrousser chemin pour l'ENART. Ces hommes et femmes projettent de porter plainte afin qu'une enquête soit diligentée en vue de punir les policiers fautifs. Quelques-uns de ces manifestants au micro de Dukenson Lazare et Yvon Seyid. Babylone, c'est des policiers, une mot, cagoulé, qui pas de quel matricule. Le coupé chevaux, paquet de nous mêmes international de là, qui sont organisations droit, jeunes, organisations droit, nous demandons justice à réparation. Et nous demandons pour arrêter les policiers Babylone, ça, PCPC, tout cas, Dieu devant la justice. Non, ça, obligé, fait, ça, obligé, fait. Non, ouais, Dieu, Dieu, voilà, oui, là, Dieu, pas jouer, parce que nous avons droit pour nous différents, nous avons droit pour nous battre carré, nous avons droit pour nous pas même jouer à la société hypocrite. Donc, nous disons justice à réparation. Pour Dieu, Dieu, et international, Dieu, là, appelé par l'année. Si nous est possible, dans le tribunal international, si l'État haïtien, l'État tête calée à Bavlé, donne justice. La manifester, la demander justice, avec réparation pour Dieu, Dieu, parce que Dieu, Dieu, dans la vie, il va voler, il va faire kidnapping, les gens vont nous s'envahir, nous-mêmes, nous, et nous, nous, dans la vie. Pour nous demander justice pour tout Dieu de l'arrière. Je dis là, nous dans l'arrière, pour faire matin, nous-mêmes, nous pas faire et nous pas jamais faire. Nous m'avons dit, vous chevet, nous-mêmes, vous allez tout le monde. Nous persister dans le premier lieu pour lui. Je dis à ce qui doit je dis là, mettez bientôt, c'est lui pour nous tourner l'autre bientôt. Autre nouvelle, parmi les 34 détenus évadés le week-end écoulé de la prison civile de Saint-Marc, seulement 4 ont été capturés, informe l'inspecteur Gary Desrosiers. Un avis de recherche a été émis contre 6 dangereux évadés condamnés pour enlèvement, assassinat, meurtre et association de malfaiteurs, ajoute Gary Desrosiers. Le porte-parole AI de l'institution policière indique qu'une enquête est ouverte afin de déterminer les circonstances et entourer l'évasion survenue le dimanche 30 novembre dernier à la prison civile de Saint-Marc. Les déclarations de Gary Desrosiers, toujours au micro de Arnold Orseus et François Samus David. À savoir évasion prison civile Saint-Marc. L'évasion s'est faite dans la nuit du 30 au 1er décembre 2014. Effectif prison 1 était 496 détenus. Il y a 34 qui arrivaient qui étaient prison. Il y a 4 qui récupérés par la police. Claire Juste, Maxi, qui continue avec le T-Max. Chef d'accusation, c'est complice de meurtre. Il y a Michelin Dirlemont pour tentative d'assassinat. Gagné Philistin Rodney pour tentative d'assassinat. Également Pierre Véniel, association des malfaiteurs. L'important pour que nous lancions la vidéo chez ça, dans le micro la presse, compte 6 gros prisonniers qui étaient en prison ces matins-là. Baptiste Madoché, doit arrêter le bon enlèvement. Célestin Félix, doit arrêter le bon meurtre. Cassius James, doit arrêter le bon assassinat. Pierre Taman, il a arrêté pour viol. Gagné Saint-Cyr Jonathan, il a arrêté pour agression sexuelle. Et puis Saint-Far Evans, il a arrêté pour meurtre. Alors, décision qui prend, gagné 5 policiers qui ont garde à vue. C'est sous prescription physique commissaire gouvernement. 5 policiers pour le moment, ils ont garde à vue dans le commissariat, c'est marqué là. Et au niveau de la DAP, gagné 6 autres policiers qui sont en isolement. Et explication que nous avons de situation ça. C'est depuis 24 heures, tu as gagné un bruit dans la prison, côté que les bureaux t'as battu tambour. Et l'important pour moi, Jean-Pierre, dans ces conneries, que tu as deux bagages pour l'éviter dans la surveillance prison. Les gains bruit, les gains gros bruit, et puis les bons silences. Parce que généralement, les gains plus bruit, alors les prisonniers ont détourné attention à Jean-Yves. Et ils ont organisé ça, ils ont échappé. Le bilan des actions menées par la police nationale pour le mois de novembre 2014 fait état de 35 personnes arrêtées pour viol, vol à main armée, trafic illicite de stupéfiants, braquage et homicide.
58 kg de marijuana saisie, un pistolet et deux véhicules confisqués. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole adjoint de la PNH, l'inspecteur Gary Desrosiers. La brigade de la protection des mineurs recherche activement le nommé Saint-Darius Michel-Ange, soupçonné dans le dossier de trafic sexuel impliquant quatre jeunes ressortissantes dominicaines et qu'il avait promis un emploi dans un restaurant en Haïti. Les explications du porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers, au micro d'Arnold Dorseus et François Samus David. PLTS a arrêté un citoyen américain qui est Ron Yves Charles. Et M. était recherché par la justice américaine. M. était chef d'accusation, c'est viol et que M. fait Boston. Pour le moment, M. est dans le CPJ. Au niveau de la brigade de protection des mineurs, il y a une opération qui est menée, côté que nous procédons à la libération de 5 personnes, dont 4 mineurs, dans Delma 60. Alors, nous avons eu pratiquement une fausse promesse, côté que nous venons travailler ici dans le restaurant. C'est des jeunes, c'est des mineurs. Et de, âgé de 14 à 17 ans, il y a un adulte qui a 23 ans la dernière, c'est 5 citoyens dominicains. Et nous arrêtons, non pardon, nous libérons dans le cas et traite des personnes. Et pour le moment, DCPJ a recherché activement Saint-Darius Michel-Ange. C'est-à-dire c'est monsieur qui justement impliqué dans le cas ça, côté que Libre Mounio fait de fausses promesses, il dit qu'il avait travaillé dans le restaurant pendant ce temps. C'est pour à des fins sexuelles, à des fins de prostitution que il est venu avec eux en Haïti. Vendredi 21 novembre se passe là, commissariat et Carrefour transféré dans le DCPJ, James Alexis, qui continue que les petits tontons, Ronnie Antoine, Franzo Alexis, qui continue que les pieds bois, Jean-Ronnie Pierre, Jean-Anou Edouard, chef d'accusation, M. Zayon, c'est vol armée, braquage. Alors son groupe qui basé au Carrefour, ils sont spécialisés dans le braquage. C'est-à-dire qu'il y a plein de monde qui sont à la banque, au niveau d'Elma, au niveau de Pétionville, c'est M. Sao qui, justement, est sur la banque et puis prend un problème dans le maillot. Et il y a un pile qui est victime dans ce sens-là. Autre nouvelle, mesdames, messieurs, fondée le 3 décembre 2004, la Commission nationale des marchés publics CNMP a fêté ses 10 ans ce mercredi. À l'occasion de ce 10e printemps, les responsables de la CNMP ont organisé une journée porte ouverte en vue de sensibiliser la population sur le rôle que joue l'organe de régulateur du marché public dans le pays. Cette activité a offert également une vitrine sur l'action de la CNMP depuis sa création. Le coordonnateur de la Commission nationale des marchés publics, Yvon Guirin, en a profité pour dresser un bilan positif des années écoulées et évoquer les perspectives de la Commission pour 2015. Yvon Guirin, au micro de Michel Depayen et Maxo Joseph. Les 10 prochaines années seront mises à profit pour faire de cet organe de régulation une véritable locomotive du système. Pour cela, tous les outils existants seront exploités et d'autres ajoutés. Une revue de la législation actuelle sera commanditée afin d'enlever les scories qui ont été relevées lors de l'évaluation à laquelle le système a été soumis. De nouveaux textes seront validés par la CNMP et seront soumis à qui de droit pour être publiés pour sortir leur plein et entier effet. Le Conseil national des marchés publics va travailler d'arrache-pied avec les partenaires pour que notre pays soit doté d'une politique publique d'achat. Autre nouvelle, le programme d'appui au renforcement de la société civile en Haïti, piloté par le Bureau de l'ordonnation nationale, a présenté ce mercredi à Port-au-Prince les travaux réalisés sous la loi cadre des organisations de la société civile en Haïti. Selon Marie-Carmel Adrien, régisseur du programme d'appui au renforcement de la société civile dans le pays, cette initiative est le fruit de la bonne coopération entre Haïti et l'Union européenne. Elle vise à renforcer les organisations de la place et de permettre qu'une loi cadre régissant leur statut soit votée au Parlement. Les explications de Marie-Carmel Adrien au micro de Fridjin, Vanessa Dolciné et Fizé Mathieu.
Dans le cadre du programme, ça, il prévoit une activité qui gagne la donne pour engager un opérateur pour qu'il mène une consultation sur cette affaire de loi cadre sur les associations. Femme dit-nous tout d'abord que les nous parler de programme Pache, nous voyons que Jean nous dit hein, c'est renforcer les organisations de la société civile. Maintenant, Pache, nous avons ciblé un type d'organisation bien défini que nous relais organisation communautaire de base OCB. Et nous connaissons que l'organisation SAIO, eh bien, il a fonctionné sous terrain, mais pas une loi spécifique qui régit vraiment. Dans quatre poches, qui ça nous a fait? Nous engager un opérateur qui c'est Gramir, si nous voulons un partenaire même par la suite, qui c'est Gramir, et Gramir a cherché qu'on est sous cette question de avant-projet de loi cadre qui Jean Bagalaye. Parce qu'il y a plusieurs avant-projets de loi cadre, mais pour qu'il y ait une qui votait par le Parlement. Donc, Gramir a passé près d'une année, la mené recherche, il rencontre plusieurs secteurs dans la société, il rencontre des organisations, que ce soit à Port-au-Prince ou bien dans les villes de province, il rencontre des bailleurs de fonds. Et aujourd'hui, hein, ça nous relève l'atelier de restitution, hein, c'est réponse à le joint souterrain que Livine présente aujourd'hui. Là. Au cours de cette présentation du troisième bulletin de l'organisation de la société civile, l'éducation était au cœur des débats dans le programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire. Psugo Idzer Paul, directeur du bureau de l'Église méthodiste d'Haïti pour l'éducation générale, dit reconnaître les bienfaits de ce programme. Il émet le vœu que le Psugo s'étende à toutes les écoles, qu'elles soient publiques ou privées, afin d'améliorer les conditions de vie des enseignants dans le but de permettre aux élèves de bénéficier de meilleures formations. Les propos d'Edier Paul au micro de Frigine, Vanessa Dolciné et Fizier Mathieu. Nous croyons que l'État est capable de servir avec le programme PSUGOA pour améliorer les conditions enseignantes là, en Haïti. Nous démarrons sur base quantitative. Nous, c'est tout le monde à l'école et puis bah, qui choisit pour payer enseignant. Mais qui enseignant n'a payé? Qui ça nous fait pour améliorer à travers le programme PSUGOA? Rendement enseignant ça yo, améliorer conditions. Et c'est vrai, tout le monde applaudit des deux mains programme nan, et mandé pour que des corrections qui pote. Et nous sentis que l'État envie fait bac. Gouvernement ça, même qui vient avec lui, commence à faire bac. Parce que l'a retiré. Et dans la première année, élève qui n'a pas su goyo dans l'école privée yo, pour mettre en phase sous l'école publique yo. Nous croyons que c'est une très mauvaise décision parce que PSUGOA permet que l'État, dans l'école privée autour, joue un rôle régalien que le gagne. Le, on gagne 27 000 enseignants dans le secteur public, là, sous environ 195 000 qui recensés, ça fait autour de 15% des enseignants qui dans le secteur public, là, qui à la charge de l'État. Donc, l'autre staff, quantité de monde qui est dans le système qui a bail service, comment on peut aider à améliorer la qualité de service qui a bail là, le que nous connaissons, salaire de misère que nous enseignons gagné. Et le programme ça, tu es capable d'aider le secteur privé pour lui joindre un salaire amélioré pour enseignants. L'Organisation de la société civile et des actions des pouvoirs publics, en partenariat avec le Conseil haïtien des acteurs non étatiques et l'Union européenne, a présenté ce mercredi le troisième bulletin de l'organisation faisant état des différents problèmes auxquels fait face le secteur de la société civile. L'occasion pour le directeur exécutif de l'ISC, Ronnie Desroches, de faire part des problèmes que confronte le secteur de l'énergie en Haïti. René Desroches fait remarquer que le secteur de l'énergie accuse un déficit de plus de 300 millions de dollars américains à l'heure où le gouvernement fait de l'énergie l'un de ses cinq prioritaires. Il indique qu'environ 25% de nos recettes internes vont à l'électricité. Les explications de René Desroches, directeur exécutif de l'initiative de la société civile, au micro de Frigine, Vanessa Dolciné et Ephésien Mathieu. Il y a un pile d'efforts au ministère à faire pour bien gérer système là.
nous passer dans affaire de comment la gérer personnel ministère là. Et ça nous rend nous compte c'est que ministère là li développer une culture de l'informel, c'est-à-dire li font série de règles, li font série de plans d'opération mais li pas suivio. Et li pas suivio ni au niveau des activités ni au niveau de planification budgétaire. Alors leur gérons gros institution tant qu'au ministère qui gagne 53 000 employés qui gagne n'est-ce pas des milliers et des millions même d'élèves sous compte lit et des millions ou des milliers de d'enseignants sous compte lit sous pas gagne des normes sous pas gagne des procédures et bien on pas capable de performer. Nous aborder problème Sugoa et nous montrer tout problème que Sugoa gagne. Si bien que nous dit Sugoa, il faut que l'y réformer entièrement. Parce que l'y jodi a, l'y baille plus problème que le résout de problème. Parce que y a pile un enseignant qui est mécontent, parce que n'y a pas recevoir salaire, parce que troisième tranche a pas baille, ça peine 9% l'école que nous enquêtons sur yo qui recevoir troisième tranche là, c'est qu'on y a appelé baille troisième tranche alors qu'on a fini de passer, ou qu'on deuxième année qui déjà rentré sur yo. Donc, nous pensons qu'il faut que vous réformez. Et pour réformer, il faut que vous ne visez pas seulement l'accès, mais la qualité. Et il faut que vous rendiez participatif avec toutes les structures d'encadrement qu'il a avec nous. Autre nouvelle, l'Office de management et des ressources humaines organise ce mercredi un atelier de formation sur l'évaluation de la performance des fonctionnaires. Cette formation adressée aux responsables des ressources humaines de l'administration publique doit permettre aux chefs de service et directeur des ressources humaines de mieux appréhender le contenu de l'arrêté de septembre 2014 sur la performance afin qu'il contribue à son implémentation dans les institutions de l'État. Hubert Antoine est le coordonnateur général de l'OMRH. Il était au micro de Florence Lisney et Maxo Joseph. Évaluation fonctionnaire, il fait référence à un prescrit de décret qui portait révision du statut général de la fonction publique en ses articles 71 à 75. Et l'idée fait l'objet d'un arrêté d'application qui était sorti, autant me rappeler, le 19 septembre 2014, qui était clairement comment pour nous mettre ce système ça en place. Son système que nous avons introduit dans la fonction publique là pour la première fois, et nous avons compris son bail qui va l'amener toute une autre approche, toute une autre façon de travailler, une autre façon ensemble, supérieur hiérarchique et employé, fonctionnaire, comment pour le travail. Et arrêter ça, nous penser. On fois le sorti de l'heure temps pour nous passer à stade de mise en œuvre. Là, nous dit formation, c'est formation dans le sens pour nous capables de capaciter responsables ressources humaines ministères pour maîtriser contenu, arrêter ça, qui est sorti en septembre 2014 là, et c'est eux-mêmes qui vont aider au MRH implémenter au sein des ministères et des organismes. C'est une première rencontre que nous faisons avec les chefs de service et directeurs des ressources humaines, nous avons fait journée aujourd'hui, dans un premier temps pour nous présenter arrêté en tant que tel, contenu arrêté dans différents articles pour nous sûr que tout le monde comprenne et maîtriser. Dans un second temps, nous allons parler de processus évaluation performance là, s'allier, comment ça fait. Et comme nous connaissons l'évaluation performance, là, juste pour ne pas rentrer dans trop de théorie, c'est qui ça lié. Et c'est une façon objective pour évaluer le monde, c'est une opportunité que nous gagnons pour nous prendre un temps d'arrêt, pour nous capables d'évaluer les fonctionnaires, pour nous avoir une idée de compétences, pour nous avoir une idée de potentiel. Et nous sommes capables de dire l'évaluation performance, là, c'est base, question, gestion carrière, on a parlé tout le temps. Cette évaluation a une procédure à suivre, a indiqué le coordonnateur général de l'OMRH. Hubert Antoine, qui a parlé des différentes étapes de l'évaluation, a précisé aussi que des balises sont établies afin que cet instrument ne soit pas un outil d'abus, mais plutôt un outil qui va contribuer dans le développement professionnel du fonctionnaire. Hubert Antoine. L'a commencé d'abord par une auto-évaluation, côté ces fonctionnaires qui ont évalué propre tête. Et auto-évaluation, ça, il va le voir, il va être supérieur hiérarchique, qui lui-même tout, va l'île et de concert avec elle, il va arriver à une évaluation finale côté deux absiens. Et dans le même rapport évaluation performance, ça, a bien supérieur de supérieur hiérarchique, il a tout absien. Pour qui ça nous mettait toute balise, c'est pour nous éviter, j'aime te dire, au début, parce que nous connaissons ça capable de pour nous dire au monde, ah, maintenant nous, l'aimera l'évaluer pour nous. Non, ça veut dire nous-mêmes tout, on a le vrai question ça tout pour évaluation, on va venir donner un outil pour, comment dirais-je, pour tout pays du monde. Son en général, il y aurait les liens au système d'évaluation et de planification. Parce que on va évaluer objectif,
côté fixé pour l'exercice fiscal antérieur là, ou bien le fixer d'autres objectifs. Son processus continu d'échange. Et c'est pour moi comme si dans l'heure qu'on fait là, et puis ça finit. Parce que son processus continue dans le sens. Tout le monde qui est hypothétique superviseur va commencer à comprendre le rôle. Parce que le rôle, ce n'est pas un rôle d'inspecteur, ce n'est pas un rôle de pénaliser le monde, de veiller présence. À présent, le rappel des titres, mesdames, messieurs. Rencontre d'information ce matin au Parlement entre la commission consultative présidentielle travaillant sur les recommandations d'une sortie de crise et des sénateurs. Les échanges ont porté notamment sur la conjoncture politique actuelle ainsi que l'avenir du pays après le deuxième lundi de janvier 2015. L'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince optimiste qu'il existe une voie pour avancer dans la résolution de la crise politique haïtienne. Une lueur d'espoir découlant des résultats de sa rencontre mardi avec 9 représentants de la branche radicale de l'opposition. Dans l'actualité également, un blessé à l'arme blanche et 3 arrestations. Bilan d'une nouvelle journée de manifestation ce mercredi à Petit-Gouave pour exiger le départ de l'équipe au pouvoir et la nomination d'un nouveau cartel à la tête de la mairie de la ville. Évasion à la prison civile de Saint-Marc le week-end dernier. 4 évadés ont été appréhendés. Les 6 plus dangereux sont activement recherchés. 5 des 12 agents pénitentiaires qui assuraient la garde sont placés en garde à vue et 6 autres en isolement, informe la police nationale. Plusieurs dizaines d'amants des dreadlocks dans les rues de la capitale ce mercredi afin d'exiger justice et réparation pour leurs camarades, rasés malgré eux par des policiers haïtiens non identifiés. Et puis enfin, investiture par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle des 25 membres de la Commission nationale de la réforme curriculaire ce mercredi, en présence notamment du Premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamotte. C'est la fin de ce bulletin, c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de votre attention et de votre fidélité. Bonne suite de programme sur Télésignal.